Leslie François Maniga, gros bout intellectuel, un spécialiste dans cause l'histoire, dans relations internationales, politique en Haïti fait, une façon nous vivre une partie dans la vie li. Bon, nous connaissons le système politique nous déjà. Alors jeudi à là, c'est dans la vie monsieur ça qui marque période li dans ça qui vient pour avec la connaissance, nous pour plonger et c'est ça tout qui pour mener une positive question nous qui citoyen ça? Maniga. Vrai nom, c'est Saint-Roch Leslie François Maniga. Li fait 16 août 1930 dans Port-au-Prince. Papal, c'est François Saint-Cyrien Maniga. Yon professeur mathématique, yon musicien. Maman, c'est Aide Augustin, professeur toujours. Donc, citoyen, soti dans yon famille qui a fait tête moun qui dans l'éducation. Mais faut que me dit nous tout, Leslie, c'est petit général Saint-Cyrien François Maniga, qui était député, qui était ministre intérieur, qui était délégué dans la Banque nationale en Haïti, sous administration Lysius Salomon. Les noms étaient toujours, nous prenons arrière-grand-papa Leslie Maniga, c'est Guillaume Maniga. Edouville était choisi pour remplacer Toussaint Louverture comme gouverneur dans Saint-Domingue. Papa Leslie mourit depuis qu'il était 6 ans. C'est maman qui était élevée. Mais enfin, maman pas trop bon. C'était famille papa qui t'a roulé dans l'huile. Mais maman t'a mis au regard de lui. Il n'a pas voulu alporter bon lit devant famille papa Leslie. En 1934, à 4 l'année, Leslie t'a pris le pied pour première fois à l'école. La caille monsieur FICO dans Saint-Louis de Gonzague. Bon, la raconte, la fête si j'en ai tout. Il dit, il était un élève très brillant. Il était toujours premier dans la classe. La dit, dans seconde yo, il était dans compétition, lui-même mettait lus fait l'amour qui était qu'on a fait pigou moyenne dans l'histoire de l'école ça. Et faut que moi dis nous, c'est grâce à performance li qui pourrait faire joindre bourse pour qu'a continuer l'école là bien, parce que j'aime dire nous parents ont des petits problèmes pour gérer fin mois l'école là. Côté, chaque fin mois, la vie t'est qu'à bouder sous Leslie. Et c'est ça qui fait tout. Maman t'est même obligée de penser à voir dans le lycée Pétion. Bon, c'était rêve papa tout. Pour petit garçon, le fait lycée national. Zami Leslie Maniga, boule pikli, notaire Hans Avin, monsieur parlait de lui. Il expliquait, Maniga pas de gain pareil. Dans la littérature, li bon. Dans la philosophie, c'est pas parler. En 1948, à 18 l'année, Leslie François Maniga finit l'école classique. Monsieur l'église, qui était senti Maniga très excellent, il pourrait le faire causer arriver dans les oreilles du master estimé qui était président. Et puis là pour là, il pourrait le voyer citoyen en France. Il pourrait atterrir dans Paris, dans Sorbonne et à Sciences Po. Comme dit nous, Leslie Maniga, c'est un spécialiste dans l'histoire et relations internationales. Après diplôme en France, Leslie Maniga tourne en Haïti. C'était toujours coutume non, à l'étudier la France ou bien dans n'importe l'autre pays, tourner en Haïti. Si jeune Leslie tourne dans le pays là, il pourrait le rentrer dans l'enseignement. Il racontait premier coup, il pourrait le bailler en 1953 dans l'école normale supérieure. C'était un cours histoire, la théorie de l'histoire. C'était première fois, il dit, il a enseigné cours ça en Haïti. Là, Leslie a frappé dans l'ENS. En 1958, il a participé dans fonder une école, École des hautes études internationales. Dans l'année 1973, l'école ça a changé nom. Il a relayé l'Institut national d'administration, de gestion et des hautes études internationales. Nous tous connaissons son nom. Inagi et on va le rattacher dans l'université l'État. Et pendant l'étude d'enseignement, il était un autre poste dans l'administration publique là. Il était un fonctionnaire dans le ministère des Affaires étrangères sous administration François Duvalier. Pour question politique, qui j'en le parti? OK. Les Maniga sorti en France, il rentre en Haïti, il prend le même parti de l'Unité nationale, PUN. C'était parti François Duvalier, c'est parti ça tout Duvalier t'a pas participé dans l'élection 1957. Maniga était red dans do papa doc et lui-même raconté Duvalier ça t'a supporté, c'était Duvalier médecin qui t'a marché tout côté à soigner moun. C'était Duvalier qui t'a prôné noirisme et ses rapprochements tout avec Duvalier qui t'a pas fait le jeune poste dans le ministère des Affaires étrangères. Mais il dit tout, dans le moment Duvalier pas le mettre en chef suprême là, en maître système là, il pas le faire tibac et il va dit, il y a plusieurs raisons qui pas le faire bac sous Duvalier. D'abord papa doc pour le mettre lui en chef suprême, papa doc lui-même il même mon a flatté, il pas très bien ça. Et l'autre raison encore pour évoquer qui pourrait faire le dos à dos avec papa doc, c'est rencontre il y a 2 ans 1000 qui t'a supporté lui des joies. Elle dit juré François Duvalier. Et c'est ça qui pourrait le faire. François Duvalier dit Maniga voulait camper en face moi. Et ça qui pourrait le casser cause à net en 1960, étudiants pour lancer une grève pour demander campus universitaire, bibliothèque avec laboratoire. Et là François Duvalier pour dit c'est Maniga qu'al Maniga c'est causé pour faire étudiants lever camper. Bon, on l'a parlé comme ça. Maniga
était dans un voyage dans Jamaïque, il tournait, il est allé dans Inagé parce qu'il était directeur de l'école ça. Et c'est là où il dit n'est pas ma couture gain l'autre déjà pour arrêter aussi pas mal l'école là t'a rentré en grève. Et un petit temps après, ma couture pral même fermer l'école là et puis prend Cléa. Et 4 semaines après, étudiant pral reprend grève là. Et là où il dit c'est Maniga qui dans tête causé ça pour faire étudiant lever campé. Et rapide vite, François Duvalier pral mettre mes sous Maniga pral voyer dans prison. Il va le faire 2 mois fermé. L'elle sorti dans prison, c'est la divorce Maniga Duvalier pral le fait. Il pral faire un bon petit temps dans caché, pas participer dans rien jusqu'à ce que en 1963, il pral jeter en exil. Il était gain 33 l'année le ça. Et l'elle là et puis là, il pral aller aux États-Unis. L'elle arrivé, il pral travailler dans centre de recherche en politique étrangère qui dans John Hopkins University dans Washington. Ça c'est de 1963 à 1964. Sorti 1964 pour arriver 1974, c'est en France tout pas jeune citoyen. Il pral bay conférence dans Sciences Po Paris et puis il pral dans recherche dans centre d'études des relations internationales en France. Et après qui bon jeune Maniga de 1974 à 1978, nous pral jeune Maniga comme directeur Institut Relations Internationales dans l'université West Indies dans Trinidad et Tobago. Kounya de 1978 kounya à 1986, qui bon jeune Maniga, c'est dans pays Venezuela. Côté libéral professeur dans l'université de Caracas. Là, Maniga en exil. C'est Duvalier qui toujours a bien fait sous pays. Et faut que moi dis nous, c'est pas dans un exil là tout. Libéral vraiment affiché position face à Duvalier. Et Duvalier lui-même, en papadoc, libéral condamné Leslie Maniga à mort par contumace. Ah ouais, pas qu'à mettre en face papadoc. Qui doit Kounia. Pour Maniga pral rentrer dans créer parti politique, pral candidat, mais qui j'en cause à parti. D'abord, il dit, événement qui pral frapper sous dossier Haïti, c'est pas en exil, il pral garder phénomène boat people la cap monter. Côté Haïti a pris un bateau pour la gueco Miami, gien sauvé, gien pas sauvé. Ça fait lui vraiment penser, li gien wali pour jouer dans politique pays. Ya. Ben, c'est comme ça, pendant l'île dans le pays Venezuela, en 1979, il pourrait créer le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes que nous tous connaissons sous nom RDNP. Il était gagnant d'eau pour l'aboutir à partir ça, Jean-Marie Benoît, Georges Misère Fortuné, Madame Nimilan Maniga et Latrier. Et après 23 années passées dehors, en 1986, Leslie Maniga tournait en Haïti. Après, Jean-Claude Duvalier finit quitter le pays. Et rapide, vite, il pourrait le foncer dans la politique à tête droite. Maniga dit là, nous tournons là, nous venons prendre. Et faut que moi dis nous tout, il y a un peu de monde dans la société, surtout dans l'élite intellectuelle là qui te mette chapeau devant. Il dit c'est pire bon dans la génération là. Donc c'est monde qui est capable de représenter nous bien. Donc pour eux-mêmes, c'était représentant élite intellectuelle là. Dans la période ça. À coup de plume ni, la analyser, la déchiffrer, la proposer, c'est Maniga lié. Donc qui j'en vigné, pour ça qui compte lié dans le pays, il dit là, pas de monde qui a la pays là, c'est Maniga. Mais sauf que système n'a pas façon d'utiliser moun. Ça pour le bat professeur. Bon, dis nous. Après Jean-Claude Duvalier aller quitter pays. C'est un conseil gouvernement qui remplace Henri Nafi dans tête. C'est comme ça en 1987, yo pral parti pour première élection après dictature. Pour mettre un président élu démocratiquement. Ça ne pas oublier 77 députés et 27 sénateurs. Élection ça haut après le fait 29 novembre 1987. Où des 11 candidats à défiler pour poste président. Quelques là-dedans, Magoisin, Louis Desjoies de Gérard Goug et bien évidemment, Leslie Maniga. Dimanche 29 novembre 1987, joue élection, li parti ensemble. C'est là qui t'a parlé de causer, en plus, moun est tombé dans Ouyel Vaillant. Là, c'est gros drame, alors si vous êtes obligé d'annuler le processus là pour refaire. Et qui ça peut passer? Tout de suite, vous pouvez dire qu'il y a pour faire élection 17 janvier 1988. Parce que, coûte que coûte, il faut que vous mettez un président élu 7 février 1988. Même à dire, le pays a été en tête en bas, encore pas en tête sous rien. Élection pour aller refaire. Peuple a boudé élection. Gros candidat qui fait poids, lui des joies de Mac Bazin ou Gérard Goug, il dit nous pas parler dans mascarade, nous pas parler dans élection ça. Et ça qui va passer, Leslie Maniga lui-même dit moi m'braler. Bon, cause après le mélange. Ça qui passé, tout le monde dit en ouais pour j'attention rien dans la rue là, pas gain élection qu'a fait là pour le bon. Et là monsieur dit faut que élection en fait quand même. Et selon quelques sources, il dit c'est environ 10% monde qui t'a voté dans élection ça.
Élection fin fait 17 janvier, 24 janvier, bonheur bonheur, résultat tombé. À 50.29% voix, Leslie Maniga gagne élection. Eh bien, papa ici, si gagne une action, l'histoire pour elle servir ensemble avec lui pour le calé François Maniga, c'est élection 1988 ça yo. Et là, bien bonheur parole la parole la gagne dans la rue. Maniga prend pouvoir sous 100 peuple là. Yo massacre fin fait, moun mouri comme ça et puis lui-même, c'est pouvoir qui intéresse le problème, Maniga commence là. Et là, observateur pral dit, c'est une pire élection pays à enregistrer. Et c'est là, ça nous va jeune. Journaliste à l'époque là, pral fait quoi? C'est l'armée qui fait choix Maniga pour essayer de sortir tête yo dans ce qui est passé dans l'élection 1987 yo. Et ça pral fait pral vigner non ça qui a joué à professeur, président marionnette. Et le 19 janvier 1988, il y a Hubert de Ronceret, candidat pour le mouvement pour le développement national. Il sortit notre de presse pour contester l'élection. Il dit Jean-Dominique, que il était ensemble avec lui, et qui parle là, rapporté plusieurs militaires se paraît bourré vote pour Leslie Maniga. Docteur de Ronceret, est-il possible pour vous de donner plus de lumière à nos auditeurs sur ce que vous appelez un coup d'État en faveur de Leslie Maniga? Bon, effectivement, nous autres, nous avons nos bureaux régionaux et locaux qui suivent de très près le déroulement, ou bien qui ont suivi de très près le déroulement du vote un peu partout. Il nous a été rapporté que des militaires ayant reçu des ordres de leur instance supérieure ont imposé les bulletins de Leslie Maniga un peu partout. Donc, pour nous autres, il est clair et net que nous n'accepterons jamais qu'un coup d'État de Leslie Maniga ou en faveur de Leslie Maniga soit imposé au pays. Mais vous dites coup d'État, cela renvoie les responsabilités très haut, docteur de Ronceret. Oui, quand je dis coup d'État, c'est clair parce que, bon, il y a plusieurs étapes. D'abord, il y a l'achat des bulletins. Et certains des votants qui avaient des bulletins jaunes MDN ont été approchés par des agents du parti de M. Maniga et on leur a acheté les bulletins à 1 dollar, 2 dollars, jusqu'à 5 dollars. De toute façon, tout ça qu'on parlait dans la RIA, 7 février 1988, bonheur bonheur échappe passé, Leslie Maniga prête ses mains. Mais si on matin 7 février, qui pas gagne belle ambiance, qui pas gagne euphorie dans la RIA, peuple là, pas chaud, pas fret. Et communauté internationale là, même bagarre la bouli tout. Maniga, président. Maniga, tout qui comprend, Jean, yo la gueule là, li gou les gens peuvent pas émotionnel, li tap jouen lovely, mais pas vraiment jouen ni. Là, il va le mettre stratégie de yo, pour le reste, il t'a jouen ti support. Oh, Maniga pas lancé une série de vidéo qui est en bâtonnel. Li dit pour lui parler avec peuple là. Bon, professeur qui toujours sous français, li obligé à faire ti faut pour jouer quelques mots créole pour le capable avec peuple là. Ça peuple là qu'on en français pour faire peuple là comprendre mais qui ça gouvernement là a fait mais qui plan yo gagne. Frère Axomio, dans ce pays d'Haïti nous remet en pile là. Assoya, n'a commencé yo série causer avec peuple là en bâtonnage. Nous songeons que nous te promettons nous que les nous arrivons au pouvoir, nous parlons pas la peuple là. Parce que le gouvernement nous, c'est un gouvernement qui pratiquait la transparence. Il faut expliquer au peuple là problème que nous rencontrons, difficultés que nous rencontrons, comment nous résoudre les difficultés et pour qui ça? Nous sommes capables de gagner confiance dans le gouvernement. Yo, ce gouvernement qui sérieusement au travail. Bah, il te dit oui. Ça va pas jamais, non? Même dis nous. Bien rapide, Maniga transformé en religionniste. C'est de religion en religion la fête. On dit machine catholique, on l'a dit machine protestant. La cherche, râler peuple en bas votre lit. Mais il va camper là, parce qu'il faut qu'il travaille. Bien rapide, Maniga pral choisi Martial Célestin comme premier ministre. C'était premier ministre dans l'histoire pays. Et ça qui va passer, 12 février 1988, un cabinet ministériel monté avec 20 ministres. C'est là où tu as créé le ministère de la culture. Et premier monde qui t'a pral occupé pour ça, c'était Franck Etienne. Yeah, Franck Etienne des ministres dans le pays déjà. Donc j'aime dire nous là, pays a considéré Maniga comme un président illégitime à cause de l'élection, il participait qui pas de bon à cause de ça qui est passé dans Riel Vaillant, il pas même levé petit doigt même pour peuple là.
Bon, après, elle va défendre tête, il a causé ça. Là, Lionel Trouillot va poser la question sur ça. Ça va me dire pas opinion, pam. Mais on connaît qu'il y a des gens qui pensaient que justement, l'autre président, il y a des gens qui lisent ça, que c'est pas une opportunité saine. Et on connaît jusqu'à présent, il y a des gens qui captent dans la radio, des gens qui écrivent des articles sur ça, qui disent bon, Maniga pas de faire ça, condition de monter président, c'est pas une opportunité saine. Sans répondre à ça. Bon, je réponds sur deux plans. Premièrement, sur le plan de la morale. Deuxièmement, je réponds sur le plan de la politique, c'est-à-dire du patriotisme haïtien. D'abord, sur le plan de la morale. Conduite, moi, je suis capable d'affirmer la 100% a été absolument irréprochable l'homme décidé à l'élection. Comprenez bien. Gomba qui passe, nous tous nous sommes là-dedans. Nous tous nous vivons là. C'est malheureusement ce qu'il faut appeler le massacre de la Ruelle Vaillant. Le fait effectivement, les médias nous prennent position, texte là, l'enregistré, l'imprimé, nous contre. Donc l'homme appliqué nous à Ruelle Vaillant, c'est de la malhonnêteté caractérisée. Maintenant, à partir de la Ruelle Vaillant et de la condamnation de la Ruelle Vaillant, nous allons réfléchir sur ce que vous faites dans le pays. Ce que vous faites. Il y a deux choses possibles. Le rachet Manioc ou trouver un autre moyen pour amener les militaires à leur caserne. Et seul moyen pour y aller, d'après la Constitution, c'est l'élection le 7 février. Bon, maintenant, c'est clair que nous prenons un calcul, parce que tout le monde a fait calcul en politique. Moi-même, je dis, je prends un risque calculé pour l'élection. Donc là, premier niveau problème, Maniga, l'interne, l'interne pays. Et nous prenons un petit parti dehors avec les États-Unis. Par exemple, après ça qui est passé en novembre 1987, États-Unis pral couper aide pays d'Haïti. Là, cause a compliqué pour Maniga. Et là, dans conférence de presse question aide là pral poser, professeur pral frapper. En ce qui concerne l'aide, comprenez bien, l'aide n'est pas une partie absolument indispensable aux relations internationales. Beaucoup de pays ont des relations internationales normales sans qu'il y ait de programme de coopération entre eux. Nous sommes, c'est l'évidence même, victimes de la situation que nous avons héritée. L'extraction n'a pas été prise contre nous. Nous sommes arrivés à un moment où l'extraction était déjà prise contre le pays. Donc nous avons un héritage que nous sommes en train de faire des efforts pour pouvoir en débarrasser le pays. Car comprenez bien, ce n'est pas le gouvernement qui est victime de ces sanctions, c'est le peuple. Si la dépendance vis-à-vis des États-Unis est arrivée au point qu'il nous fallait leur aide même pour boucler notre budget, si cette aide est supprimée et que nous avons des difficultés budgétaires, ce n'est pas le gouvernement seulement qui est la victime, c'est le peuple haïtien qui est la victime. Si nous avions des travaux à faire, des projets en cours, des programmes en développement, l'aide cesse brusquement et que ces projets ne peuvent pas être exécutés, ce n'est pas le gouvernement qui est victime, c'est le pays qui ne bénéficie pas de ces projets. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons jamais caché. Nous n'avons jamais caché que nous demandons d'abord au peuple haïtien de compter sur ses propres forces, leçons positives. Deuxièmement, nous cherchons à diversifier nos sources extérieures permettant de mobiliser. Nous espérons que les États-Unis reconsidéreront leur position vis-à-vis de nous et nous ferons bénéficier, à notre avis, le plus tôt serait le mieux, de l'aide qu'ils ont l'habitude de donner depuis déjà plusieurs années, sinon même décennies, au pays d'Haïti et au peuple haïtien. Notre position est donc clair, crystal clear, comme disent les Américains. Bon, professeur conscient, ou pas qu'à vivre sous l'île, n'est alcoolé, mais si l'île là, il qu'à aider, surtout si vous bien canalisez. Bon là, Leslie Maniga, c'est l'équipe président. N'importe qui il faut qu'il avance. Alors, dans la conférence de presse, il pourrait le bail, il pourrait le présenter quelques projets gouvernement liant pour mettre sous pied. Le gouvernement, après avoir mise en place
ou commencer à mettre en place, parce que le président Pass est assez avancé. Les structures ministérielles d'action, les instruments, sont en train de manière cohérente de définir les grandes politiques sectorielles. Je voudrais signaler que l'affaire cruciale pour nous du logement, l'affaire des logements préfabriqués que j'avais annoncé, se confirme avec la firme Viposa. Les conversations sont assez avancées pour que nous puissions prévoir dans le plus bref délai la création chez nous, sur place. Donc nous n'allons pas importer d'usines d'éléments préfabriqués pour les constructions de logements sociaux. Nous allons donc avoir une industrie haïtienne à cet égard. À la dernière séance, on me posait une question sur la grandeur. Mais ce développement du pays au niveau régional est un travail systématique que fait le gouvernement. Avez-vous noté comment, par exemple, le ministère des Travaux publics s'est organisé pour se déplacer, le ministère se déplace, je veux dire le ministre et les dirigeants, pour aller dans une région un mois. Et le ministère se transporte là pour étudier les problèmes de la région, problèmes routiers, problèmes d'aménagement, tout ce qui relève de la compétence du ministère. Le ministère entier, le ministre, je veux dire par là, l'instant de décision, le ministre et les dirigeants. Et chaque fois, ce sera une région différente. Prenons le nord du pays. Nous avons à l'étude, nous sommes en train de mettre au point un ensemble cohérent de développement régional intégré pour le Nord, qui va se fonder sur certains moteurs, comme je cite au hasard, ne dites pas que c'est une énumération, l'aéroport du Cap-Haïtien. Oui, l'aéroport du Cap-Haïtien. L'aéroport est un des éléments du développement régional du Nord, et je peux même vous dire que non seulement les anciennes conversations à cet égard avec certains pays étrangers sont valables pour nous et sont prévues à l'agenda des réunions de commissions mixtes de coopération qui doivent avoir lieu cette année même, mais je peux même vous dire que dans les premiers 700 000 gallons d'asphalte que le Venezuela nous a promis, nous avons d'accord avec le Venezuela même réserver 300 000 d'un type qu'il faut pour construire l'aéroport, pour éventuellement que ces 300 000 servent pour l'aéroport du Cap. Donc pour nous, l'aéroport du Cap demeure quelque chose, un projet qui nous tient à cœur. Il y a des projets de zones franches que nous étudions dans le cadre de la décentralisation, dont l'un concerne précisément la région du Nord, comme troisième grand moteur. Évidemment, il faut mentionner les mines d'or, dont l'étude est très avancée. Nous sommes dans la phase des décisions définitives en ce qui concerne l'exploitation de ces mines. La réforme administrative se poursuit, vous le savez, s'accélère. Vous êtes témoin comment cette réforme atteint non seulement les différentes branches de l'administration, mais de plus en plus le secteur parapublic. Ce n'est pas la peine que je mentionne Simon d'Haïti, Téléco, Minoterie, etc., en attendant d'autres. Et en même temps, il était touché question coopération, question ONGO, qui Jean Guétan mettait commission sous pied pour gérer pour ne pas gagner dans le pays. Nous pouvons simplement dire qu'une série de coopérations s'organise ici en Haïti à partir de cet été jusqu'à la fin de l'année. Et nous aimons ces commissions mixtes. Vous savez pourquoi nous aimons ces commissions mixtes? C'est parce qu'il y a dialogue, il y a discussion, il y a négociation. Mais ces commissions mixtes, on discute les programmes de coopération. Nous disons quels sont nos besoins. L'aide ne vient pas de façon unilatérale à partir d'une initiative étrangère, mais l'aide est conçue, discutée, adoptée à la suite de dialogue. Et c'est la raison pour laquelle nous chérissons les commissions mixtes. Et nous aimerions bien que les grandes puissances, certaines grandes puissances, car la France a déjà avec nous une commission mixte, la Chine en a d'autres encore, mais que certaines grandes puissances, au cas où leur aide est reprise et développée,
comprennent aussi la nécessité de cette négociation au sein de la commission mixte pour que véritablement nous ayons une politique cohérente du développement. Car par les ONG qui sont au nombre de 300, dans un tohu-bohu inacceptable pour le pays, une incohérence, etc., nous ne pouvons pas avoir une politique nationale. Je ne nie pas l'apport de certaines ONG au pays, je sais quelle est leur valeur, mais je dis que la politique qui consiste à passer par les ONG, multipliée, ne permet pas une politique nationale cohérente dont le pays a besoin. On ne peut pas transformer le ministère de l'Agriculture en une collection ou une mosaïque de projets. On ne peut pas transformer le ministère de la Santé avec des projets épars. Il faut une politique cohérente dans le sens des objectifs voulus par la nation et notamment dans le sens de développement intégré à finalité sociale. Je voulais simplement, dans cette introduction, insister sur le fait que vous avez devant vous le chef du pouvoir exécutif qui annonce et qui confirme que le gouvernement est au travail. Qui annonce et qui confirme que le pays a pris la bonne direction dans tous les domaines politiques, économiques, social et culturel. Et vous verrez tout ce qui foisonne, vous verrez tout ce qui est en train de bouillonner, de se créer, de se préparer pour changer la vie enfin de ce pays d'Haïti qui nous est cher. Merci. Belle souris à nous, professeur Aguin là, pour Jean-Noël confiant là. Deux jours après, il va le perdre lui. Qui Jean? Eh bien, regarde détail yo. Faut qu'on dise nous, Leslie Maniga te gen plan li. Plan rapide vite, c'était pour te faire l'armée tourner dans la caserne. Et ça, vous pouvez te connaître, hier, au cas très éloquent, dans 10 paroles ça, c'est-à-dire faire militaire yo tourner dans la caserne yo. Mais, il pas tout égal à ça. Parce que, ou qu'on ça bien passé, dans toute situation, théorie a pas tout égal à pratique là. Et si parti ça, professeur a été négligé, il connaît lui pour son acte formé. Pral fragiliser pouvoir lire. Pral mettre sous une petite branche, la balancer. Mais vous n'avez qu'à dire tout, mais qui j'ai un homme formé dans Kalibaniga, formé dans l'histoire, dans la politique, dans la relation internationale, trois piliers qui font comprendre le terrain. Et puis prendre décision qui pral mettre dans piège. Et c'est là nous pral comprendre qui ça veut dire tout bon les un système en place. Sous quel pas jouer petit bébé. Parmi politique en Haïti, a gagné compliqué tout bon parce que gagné les règles conventionnelles yo nom ça gagné parager pour lui. Et bien famille pour professeur Maniga avant il n'a pas duré trop longtemps. En juin 1988 yo pral mette dolate. Nan mwa juin 1988 la, Maniga ak M. Lameyo pral tombe non ti bif. Sa k passe. Henri Nanfi leve un bon matin, li rale costume chef li et puis il transfère Jean-Claude Paul de yon poste à un autre. Sans le pas di Maniga an yon. Maniga fâché. Mande monsieur, est-ce que c'est lui qui président? Li di Nanfi, ou a bay des ordres la, my man. Rapide vite, Maniga fait arrêter Nanfi. Et puis, li mette Morton Goose, chef la MEA. Ça fait 17 juin 1988. Bon, faut que nèg la montre, c'est l'équipe président. Et là, cause après le bruit, gen ti ou nou nou nou. A pas printemps, non? Dans la nuit 19 privé 20 juin 1988, ou état-major apparaît, yo la gen numéro 10 yo, qui c'est Nanfi, et puis rapide vite, yo pou l'op nan palè, yo di Maniga, pas jamais fait si fréquence à encore cher prof. Rapide vite, yo mette sou Maniga, yo di, voilà, ou font ti kite pays a pour nous, tant pri. Yo pren, rapide vite, ak famille, yo fait le monton avion, direction Dominicani. Leslie Maniga a passé 133 jours sous pouvoir, pas même 5 mois. Ça a passé, communauté internationale l'a pas dit cric de Jean-Patna Maniga. Peuple l'a pas dit crac. Et c'est ça qu'a dit dans l'aria. Général l'a te mette ou. Li retire ou. Ou a dégage ou. C'est même yo même nan. Et c'est là, épisode Maniga fini là sans gros suspense. Et bien rapide, Henri Nanfi
prend pouvoir en bosse nan fi. C'est pendant professeur en République Dominicaine, li pral bay une conférence de presse, li pral di les victimes parce qu'elle t'a lutté contre corruption à contrebande. Et il va même faire comprendre, li a prend coup d'état ça, s'il l'a regardé télévision la kaili. Il a dit monsieur yo qui besoin piller pays a, alors yo fait complot, yo jeté. Il prend exemple, quelques semaines avant tombé a, groupe Axam tombé manifesté dans Saint-Marc pour cette réforme l'état fait dans douane. Il a dit Abba Maniga, vive l'armée. Maniga dit pour lui, c'est l'armée qui veut l'aller. Mais bon, ça, mille dit nous qui c'est Enz, pour elle dit, d'après lui-même, c'est pas l'armée, c'est pas Nafi. Monsieur, racontez. Jean-Claude Paul qui était chef dans la caserne de Saline, Américain était vle tête li parce que il était trempé dans question de tipoud. Bon, États-Unis, c'est voyé pour un Mr. Paul. Maniga dit non. Li pap ka ale. Li se officier dans l'armée. Si li coupable, n'a jugé ici en Haïti. Nous pas voyer l'aller aux États-Unis. Bon, Enz dit mais allez Maniga, tête rédacteur tout ça. Oh, bon, comme nous dit dans coulisses. Bon, ça le dit li connaît pour qu'ils aillent dire qu'ils déjeunent. Bon, après, les gens finissent de mettre de la tête ça, et ils parlent qu'ils ont le même discours, ils parlent la même position, côté, ils ouais développement, ils café développement, mais ils ont juste pas de balle chance. Li. Donc, faut comprendre bien, le développement, c'est tout un peuple qui peut assurer lui. C'est tout un gouvernement sérieux et compétent qui appuie sur le peuple pour faire peuple faire véritable révolution pays a besoin. Révolution pour développement économique, révolution pour progrès. Tout le problème, nous connaissons, nous vivions. Et bien tout le problème, ça, nous sommes capables de résoudre. Ça ne va pas prendre temps, mais nous sommes capables de résoudre. Il faut commencer. Donc si nous ne pas commencer, qui est la pinacle? Et bien nous sommes là pour nous commencer. Et nous-mêmes nous indiquer la solution. Et nous-mêmes nous indiquer la direction. Et nous-mêmes nous indiquer l'orientation. Et nous-mêmes nous donner un exemple là. Mais mes amis, il faut nous comprendre bien, oui. Il y a des gens qui m'ont le pays à changer, non? Il y a des gens qui ont le pays à y aller, le mal là. C'est les salaires qui ont l'argent, oui. C'est les salaires qui ont le pouvoir, oui. C'est sur ce peuple-là qui ont battu le pouvoir, oui. C'est ça que m'a le pays à changer. Ça fait Maniga aller en exil deuxième voie. Mais qu'on a qui vit l'almené? Après, il va retourner dans l'enseignement. Sorti 1989 pour arriver 1990, il va inviter comme professeur dans une université en Suisse. Pendant même année, ça a tout, il était passé comme professeur sous invitation toujours dans Sorbonne en France. Malgré qu'il était retourné en Haïti en 1990, mais il était toujours kembé enseignement à l'étranger en 1993, c'est en France, nous allons jouer dans la faculté de droit et sciences politiques dans Bordeaux. Après tout parcours à l'étranger, nous allons jouer Maniga pour retourner fort dans la politique là. Dans le pays d'Haïti. Déjà, nous avons venu avec belle critique li nan quoi Jean-Bertrand Aristide. Li pral ba Aristide ti frappe parce que blanc américain te mené Aristide tourner avec plus passé 20 000 soldats dans le pays d'Haïti. Et en 2000, nous avons venu tout sous fond critique li côté, il t'a frappé sous élection 2000 qui lui-même qui dit qu'il était gain fraude. Donc Maniga dit élection ça qui te mené Aristide au pouvoir, yo truqué. Et là, parti par là, qui c'est RDNP pour aller rapide vite rejoindre groupe Convergence là pour mettre do Aristide à terre. En 2002, il va retirer quoi dans Convergence là. Il dit, monsieur Dame, ça a une position qui pas correct, qui pas marché avec pal. En 2006, il va tourner en force. Côté, il va même poser candidature pour poste président dans l'élection 2006. Il va premier monde qui t'a pas déclaré officiellement les candidats. Effectivement, il va le présenter dans l'élection, il va arriver en deuxième après Préval. Et c'est là tout le dit, depuis le perdu l'élection, ça a été tout retiré col dans tête parti politique là. Pour vie privée, Kounia, Leslie François Maniga marié deux fois. Il était marié avec Marie-Lucie Chancy. Marie-Lucie Chancy, c'était une historienne, professeure à l'université. C'est dans la cour Sorbonne en France, dans l'année 50. Leslie t'a pas rencontré Marie-Lucie. Et puis, elle est rentrée en Haïti, elle est mariée. Leslie Maniga a expliqué, c'était une dame instruite. Il dit tout, il va ça normal pour lui t'a partagé ville avec un monde qui pas qu'à partager joie intellectuelle avec lui. Il dit, il était avec fille qui pas intellectuelle, qui pourtant pile bagarre dans la ville, il pas gain préjugé. Mais il dit, pour la vie, chaque joie, il est bon pour gagner un monde dans la vie qui gagne un certain niveau, connaissance, côté nous partager, penser nous ensemble. Il dit, c'est pour raison ça qui fait, pour lui, madame, c'était un monde savé, et puis deuxième madame, c'est un monde savé toujours. Mais avec Marie-Lucie, ça va continuer. En 1969, il a divorcé. Et faut que me dis nous qui est important. Avec
avec Marie-Lucy et quelques autres monde encore, il a pas fondé centre d'études secondaires en pile monde connaît l'école ça dans Port-au-Prince là. Marie-Lucy te dirige tout ENAT dans pays d'Haïti. Et avec Leslie, il y a gagné 5 petits. Marie-Monique Maniga, Jessie Maniga, Robert Maniga, Sabine Maniga et Viviane Maniga. Pour Marie-Lucy, c'est en 2023 li mouri. Pour deuxième mariage Leslie, c'est en 1970 li pral fèl avec Milan Hippolyte. Milan, c'est 3 novembre 1940 li fèt nan Miragouane. 2024 là c'est 84 l'année madame nan pote sous tête li. C'est en 1970 professeur ta pral marié avec depuis le sa tout monde c'est Milan Maniga. Alors si ou pas rentré nan li nan ti li fin ou pas connaissez ati madame nan qui c'est Hippolyte. Et il fait étudier lui-même dans l'histoire, dans la relation internationale et dans la science politique. C'est dans l'école normale qu'il a rencontré avec Leslie. Pour petit, il a gagné un seul. C'est Béatrice qui fait en 1971. Bon, faut que je dise nous, il y a une information en pile, mon cas pas qu'on est. Zami Maniga qui c'est Hens qui fait qu'on est, Maniga c'était un chrétien nan homme. Bon, il a toujours parlé de position politique, de question politique, mais il a une belle relation avec God là. Monsieur Bay, il y a une anecdote. Il dit, le Maniga était président, il y a un jour Maniga voulait chercher. L'elle paraît, le Maniga dit, mon cher, il y a un magie qui fait là, notre chambre ça là. Parce que yo joine deux os qui semblaient à zo ti bébé. C'est un coup un sacrifice qui t'est fait. Il est venu pour rentrer dans ti chambre là, gardien dit et pas gen moun nou que j'aime rentrer là président. Rapide vite Maniga dit m'a fait craser ça rapide. Et ça explique toujours, il fait comprendre dans fin vie Maniga et Maniga dit rapport entre politique et vie intellectuelle c'est plus gros drame ville. Et il dit s'il était resté en France, il a prêté un historien, politologue, c'est à cause Haïti il va rentrer dans bataille politique. Et il y a un moment qui est arrivé même et il dit ou Maniga pas attendre radio, il pas les journal pour gens question décadence pays a t'a tout mentel. Et faut que moi dis nous c'est 27 juin 2014 la Kaili nan marin li mouri à 83 l'année. Gen sous qui fait comprendre il te gen problème prostate ak problème digestif. Et puis selon Evans Bobon, question chikungunya il t'a pral prendre, t'a pral aggraver santé. Et elle mouri a été décrété 3 jours deuil national en hommage à moun litéa. Pour critique sous personnage là, dans New York Times gen ancien collègue Maniga qui présente il tant pour un moun depuis il gen on l'idée là, c'est tête baissée la dedans, c'est foncer la foncer. Li en mode pas aimé de et puis il dit Maniga tout est gonti t'es autoritaire et puis machiavélique. Yon nom tout yon présenté le comme ça et qui te pensé depuis le fin point pouvoir peuple là a campé de elle red. Bon jugement vous a pas de fin ça net. Bon sans doute théorie nous li nan Golivio Golivio occidental la présenté nous yo yon gen lè pas fin marcher sous même ligne ak sa nouye comme peuple avec façon nouer la vie. Et puis professeur pour belle petite critique du tout par rapport avec envie au dire toujours gagner pour le prendre pouvoir coûte que coûte n'importe gens lia faut li pour pouvoir. Et Lionel Trouillot pral même poser la question ça tout ou dit qu'on pas plein de ou même m'a posé ce pas une question qui on va toujours toucher. Leslie Maniga c'est son gros intellectuel l'entrée dans le pays d'Haïti. Leslie Maniga, son gros intellectuel qui justement était capable de travailler un peu plus, peut-être comme professeur, était capable de contact puis à une échelle peut-être plus bas, mais plus intime avec jeunesse là, avec société là, pour qu'il sache choix entrer un peu par le haut. Est-ce que le patap beaucoup plus efficace que quantité de savoir ça qui est hein? Projet social, ça qui est, hein? Il ne va pas les savoir, pas les savoir académiques, il ne va pas les connaissances intimes de pays. Hein? Est-ce que si tu as plus élèves qui ont une chance d'élèves, Leslie Maniga, plus étudiants qui ont une chance d'étudiants, Leslie Maniga, plus collaboration avec bah, on est des mouvements associatifs, il va être plus efficace, Haïti va bénéficier plus de Leslie Maniga. La réponse est claire. Tout le monde qui a dit ça, il n'y a pas fait réflexion sur la réalité politique. Je passe toute vie moi, à enseigner. Je enseigne 10 ans en Haïti et tout le reste à l'étranger. Je fais carrière, je publie. Cependant, à partir des boat people,
nous réfléchis avec des amis et nous dit mais nous pas capables. Grand collègue universitaire connu, grand professeur, etc., professionnel, tout le monde, notoriété, et puis garde dans l'état pays, nous y est, mais c'est notre beau people, nous y est là. Écoutez, gon bagay qui pas marché. Nous sommes capables, nous-mêmes, fiers de contribution, nous, à un niveau remarquable dans ce qui se fait dans le monde, et la caille, nous, dans l'état ça. Non. Faut engager, nous. Et c'est ainsi que nous traiter nous créer le RDNP. Qui ça maniga qui était pour société? Parce que dans toute bataille on m'a fait sous terre, c'est héritage ou qui tout bagaille. Parce que ou tellement pas vivre longtemps, alors c'est profiter pendant là pour porter toujours gens capables. Premier ça n'a besoin c'est centre d'études secondaires, l'école ça quelque monde nous connaît, passer là dans Michel Martelly et Michel Duvier, Pierre Louis, Bernard Chetini, qui est ancien directeur de SONAPI, après, nous avons touché encore, dans fondé l'école des hautes études internationales, Jodiam, dis-nous qui c'est Inagé. Et après, Maniga qui t'a un pile livre pour nous, plus parce qu'il y a 24, je vais vous dire, je vais vous dire, je dans l'éventail d'histoire vivante d'Haïti. Et donc, c'est comme ça, nous capables de présenter professeur Leslie François Maniga. Et pour récompense, en 2004, professeur a été remporté grand prix de littérature d'Haïti, yote bal, dans la foire internationale du livre, dans Miami. Alors, n'importe qui l'a présenté pour, soit, moun qui trouvait Maniga pas atterri, et l'autre qui trouvait le faire mauvais jugement de système, non. Mais, yon fait apprêter certains. C'est moun, tant kou Maniga, qui veut dire, moun avec la connaissance, qui a développé yon pays. Seul ça demande moun yo qui maîtrise la connaissance là pour yon gen volonté pour changement et puis pour yon gen bon stratégie. Voilà pour Leslie Maniga ou même qui pas gen trop information sur personnage là, mais espérer à travers cette vidéo ça ou konnen plus sou li. Ou ka continuer recherche pour joindre plus information. Bonsoir avec ça ou ka sou bon route là. N'a pas là, mais espérer t'aimer cette vidéo, pas oublier partager pour notre moun Karel. C'était Will Kitoussin pour communauté. Peace.